Renforcer l'autonomisation économique de la femme, telle est la thématique débattue lors de cette table ronde organisée à Rabat. Une réunion qui fait suite à l'annonce faite fin décembre par l'agence américaine Development Finance Corporation concernant le lancement de l'initiative baptisée 2XMENA. Lors de cette crise sanitaire, nous avons tous constaté comment plusieurs femmes opérant dans l'informel ont été impactées économiquement. Donc il est primordial d'aider les femmes à prospérer dans le monde du travail, accéder aux compétences, aux formations et aux fonds. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin que les femmes soient des leaders de la reprise de l'économie. Plus concrètement, l'initiative mobilisera 1 milliard de dollars d'investissement dans des projets qui feront progresser l'autonomisation économique des femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Pour y arriver, des partenariats avec le secteur privé et les organisations locales sont prévus. L'objectif à long terme étant d'atteindre 50 millions bénéficiaires en 2025. Nous voulons identifier le potentiel des femmes qu'on peut transformer en une véritable entrepreneur, manager ou employée, mais aussi identifier les opportunités d'inclusion du secteur privé. Cette rencontre intervient dans la lignée du programme américain de commerce et d'investissement à l'échelle du continent Prosper Africa. Un programme qui vise à mobiliser un total de 5 milliards de dollars d'investissement au Maroc et dans la région.